Bonjour, bonjour, ici Cyrabrizen pour servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fougue. Alors, la fois, on s'était arrêté dans la ville où apparemment il y a plein de choses à faire. Il y a les marchés, il y a le pont du moulin, la place de la tour et l'église de Trémel. Et apparemment, on n'a pas besoin de points d'action. L'argent sert à rien en temps de guerre. Tu peux échanger quelque chose? Faire du troc. Choisissez que vous voulez parmi la liste des objets à gauche. C'est des grands édits, les échanges des objets. Vous pouvez échanger les objets peu utiles contre d'autres utiles de meilleure qualité. Alors, à gauche. Restaure beaucoup de points de compétences. Restaure. Ah, je sais pas ce qui peut être intéressant. Hein. Il y a des matériaux aussi. Donc, ce qui a change à côté. Rouillé x3 contre canon S. D'accord. D'accord, donc ça m'intéresse pas. Pont du moulin, je reviens pas que les Bearmen puissent attaquer un endroit pareil. Mes enfants, vous êtes si jeunes, ça doit être dur. C'est pas grand chose, mais plénissez ici. Kit de réparation. Bien. Place de la tour. Hé, hey, la guerre a éclaté ici soudainement, pas vrai? D'où l'importance d'être bien préparé. On doit toujours se préparer au pire. Cellule d'énergie x2. Oh, intéressant. Église de Trémel. Vous connaissez les mini-infmac? Ils avaient cœur du sucre. C'est tellement bien. Si vous l'avez jamais eu, tu n'es suffit de lire ça. Oh, merci. Vous venez d'obtenir un épisode des Aventures de Sucre, une bande dessinée au cours de publication. Obtenez d'autres épisodes en parlant à la villageoise. Vous pouvez consulter les pages déjà obtenues en allant dans la galerie du menu principal. Galerie. Personnage. On a un nouveau personnage, Pretzel. Séquence du haut. On l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on l'a déjà vu celui-là. Pour maintenir, c'est ça. Hop, c'est juste que j'aime pas avoir des points d'exclamation. Illustration de fin. Oh, c'est mignon. Rapport de Bearmen. Journal privé de Pretzel. Voilà, pour ceux qui aiment la lecture. Miaouf Mag. Les aventures de Sucre. Sucre. Krima. Miela. Le docteur. Inspecteur Cuffy. Assam. Profecteur Burry. Compte nouvelle, les aventures. Épisode 1. Institut de recherche de fontaine d'innovation. Tadam, bon prototype de mini-radio est éliminé. Disparition inexpliquée de la mine milieu noire. Du bétail et des biens continuent de se volatiliser. Docteur, c'est incroyable! On peut enfin écouter les informations! C'est joli et petit. Le genre d'objet idéal à importer chez soi. Oh, elle chauffe vite. Donc elle doit être encore être améliorée. Espérons qu'elle n'explose pas de... pas à nouveau, n'est-ce pas? Ouh, ouh. Toc toc. Bonjour, inspecteur Cuffy. Ah, je savais que tu serais ici, Sucre. Et qui voilà? Je termine une cliente. Je vais vous rencontrer. Je m'appelle Assam. Mon défunt mari était antiquaire. Enchanté, en effet personnel de son mari, elle a trouvé quelque chose d'étrange. Je me suis dit que ce boulot pourrait t'intéresser. Bon, je vais retourner au travail, si vous voulez bien m'excuser. Ok, inspecteur, je me cherche du reste. L'objet étrange que j'ai trouvé ressemble à une vis. Un message l'accompagnait. Une vis parée de bijoux. Et un message, vous dites, nom d'un chien. Tam tam tam. Illustration. Bon, on les a déjà vus, hein, mais... Tant qu'à faire. Hop, ça c'est fait. Retour. Menu principal. Bon, bah, poursuivre l'aventure. Oh! Chapitre 2. La pluie au matin. C'est romantique. Bucolique. C'est la pluie au matin.
Province de Dal. Contrée reculée de Gascou. Le poids de la cruelle réalité pesait sur l'ambiance qui régnait dans le Taranis. Hey, tout ce que je voulais, c'était sauver nos familles. Et nous voilà à faire la guerre avec ce truc. Ouais, c'est moi qui les ai entraînés là-dedans. J'ai jamais voulu ça. Mais, on peut vraiment sauver mamie, papy et les autres? Oui, je suis certaine qu'ils vont bien. Ouais, on fait quoi maintenant? C'est dans cette atmosphère étouffante qu'un phénomène étrange se produisit. Dam, dam, dam. Un fantôme? J'aime pas les fantômes. Quoi? Du calme, c'est si effectivement impossible. L'un des enfants jurait avoir vu une petite silhouette briller dans l'enceinte du char, avant que celle-ci ne disparaisse comme si de rien n'était. Ils s'accordèrent à mettre cette vision sur le compte de la fatigue. Une simple illusion, sans doute. Avancer, aide, menu principal. On va pouvoir avancer. En avant toutes. Oui, en avant toutes. Interlude. Les fonctions du Taranis étant désormais opérationnelles, les ascenseurs de la section sont disponibles. Parcourez différents étages et jetez un œil aux nouvelles installations lorsqu'elles sont disponibles. L'ascenseur peut être utilisé pour aller à la ferme. La tâche plantée des pommes de terre a été ajoutée. La tâche plantée des tomates a été ajoutée. La tâche plantée du blé a été ajoutée. La nouvelle zone poulailler et la zone s'occuper de la pouillotte ont été ajoutées. Tellement de choses à faire, on a toujours pas, on a toujours si peu de points. Alors, attention, on va prendre Malte. Ah ouais. Ah ouais. Malte, et on va aller parler à notre ami. Voilà. On va tout de suite faire les papotages. Mei. C'est moi qui fais. C'est toi qui fais. Salut. Hop, on a augmenté l'affinité. Hop. Anna. J'y vais. On va parler à c'est bien Kyle. Voilà. Kyle. Il est où Kyle? Il est à Kyle. Allez. Hi, hi, hi. Il y a les boulottes. Là. Salut. Salut. Oui, une séquence du haut peut se déclencher. Oh, c'est tellement merveilleux. Kyle, quelque chose me tracasse sur un moment. Hey, quelque chose te tracasse, il y en a à voir avec moi, j'espère. En fait, si. Ok, ok. Alors, de quoi s'agit-il? Je t'écoute. Alors, Kyle, je me disais que nous pourrions apprendre à nous connaître un peu mieux. Hein? Apprendre à nous connaître un peu mieux? Oui, je me disais que ça serait sympa si tu pouvais t'entendre un petit peu, un peu mieux avec tout le monde et puis... Avec tout le monde? ouais, d'accord, tout le monde. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Non, non, aucun souci. Mais il faut que tu saches que ça m'intéresse pas forcément de m'entendre avec tout le monde. Laisse-moi tranquille. Désolé, mais si c'est donc tout ce que tu voulais me dire, bah je suis un peu occupé à ce moment, alors... Ah, oh, Kyle. Oh, Kyle, il aime. Oh, Kyle, il aime. Oh. Oui, je sais, cette blague est vraiment très mauvaise. Bon, l'homme. Tiber. Manger copain. Il est où copain? Copain. Oh. J'ai faim. J'ai tellement faim. Attendez deux secondes, il y a mon chat qui fait des bêtises. Je reviens tout de suite. Re les amis, désolé, mon petit chat qui a une fâcheuse tendance à vouloir sauter sur la fenêtre pour attraper les petites mouches qui s'y baladent. Descendre. Allez, on va chercher le copain. Oh, le copain qui doit être dans le coin. J'ai faim. Je veux manger. Salut. C'est adéquat, tu me demandes? Ah non, c'est stop. Donc c'est...
C'est adéquat. Je me demande qui les a conçus et dans quel but. Oh. Donc. Et justement, stock. J'y vais. J'y vais. Il est où le gros bonhomme? Il est où le gros? Alors ça, c'est une référence hein, pour ceux qui... Si je ne fais pas de la grossophobie ou quoi. C'est une référence à une pub des années 90. Salut. Oui, une séquence Yu peut se déclencher aussi. Salut. Hey Stock, tu penses encore à tes inventions? Oui, et totalement une technologie nouvelle dans ce char. Je me disais qu'en les examinant, cela me donnerait des idées. Oh, oh vraiment? Moi, la seule chose à laquelle je pense, c'est de retourner au village. Oui, bien sûr, je pense aussi, mais chaque chose en son temps. Je vois pas trop ce que tu veux où tu veux en venir, mais j'espère que tu vas avoir une idée de génie. Oh, une attaque du haut, peut-être. On espère. Oui. Doum, 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 doum. Alors, percevoir. Il y a un côté sinistre. Ouais, donc ça, c'est le canon à... Donc là, on a la ferme. Qu'est-ce qu'il y a à faire, la ferme? De nombreuses choses peuvent être plantées, récoltées et jardinées. Vous pouvez... Agrandir jardiner augmente le nombre de carrés de terre disponibles. Sélectionner tâche à effectuer dans la liste. La tâche sélectionnée sera... D'accord, c'est mon autre chat qui est en train de faire des bêtises. Dans le jardinier à droite, vous ne pouvez assigner qu'un nombre de tâches égal au nombre de carrés de terre. Vous pouvez augmenter le nombre de carrés de terre en agrandissant l'installation. Les tâches assignées doivent être répétées plusieurs fois. Et ça coûte beaucoup de PA. Alors, à quoi ça va servir du coup? J'ai pas vu les poules d'ailleurs. J'ai pas été voir, c'est pas bien. Ça va servir... Ferme. Quoi qu'il arrive, c'est la ferme. Ouais, moi je voulais voir les poupoules. Intéressant. Quoi qu'il arrive, alors à quoi ça va servir? Tout simplement, ça va augmenter le nombre d'ingrédients qu'on va pouvoir avoir dans la cuisine. Et donc, changer de personnage. Menu principal, je veux savoir l'état des personnages. Niveau de leur... D'accord. Donc lui, je peux l'augmenter un peu. Des nouvelles choses dans la galerie. Oh, une séquence duo. Alors, bien évidemment, je vais les passer. On vient de les voir. C'est juste que, comme je vous ai dit, je n'aime pas avoir des points d'exclamation de partout. Voilà. Non, ce que j'étais en train de me demander, c'est ce que j'allais faire. Salut. Tout simplement parce que, comme je vous avais dit, on a des points qui sont... limité et on ne peut pas forcément tout faire. L'atelier par exemple, l'atelier ça va être quelque chose de très important quand même. Faut quand même se dire que ça c'est un passage obligatoire. Je m'en charge. Tu crois que c'est bon? Tu crois que c'est bon? Eh ben, si tu crois que c'est bon... Ah, il est passé level 4, donc ça va être une autre personne qui va devoir faire le travail après. Hop. Je vais changer de personnage. Alors, lui est presque level 4. Lui, maintenant, est level 4. Donc, on va demander à Bolon. Donc. De me construire le lance-grenade. C'est parti. C'est bon comme ça? C'est... Hop. Maintenant, il va falloir qu'on aille pêcher. Pourquoi pêcher? Tout simplement parce qu'on a besoin de matos. Hop. C'est parti. Oh là là.
a été un désastre. Non, ils ont osé. Je vais changer de personnage. Puisque lui, il arrive bientôt à level 4. On va aller chercher Anna. C'est parti. C'est parti. 8, on va encore essayer de pêcher. Pourquoi? Parce que... on voit que... On pourrait normalement avoir mieux niveau pêche. Encore un échec. Ah, je vais retenter. C'est parti. C'est bon. Succès. Bien. On va voir avec ça si on peut pas faire de l'atelier. On dirait bien que si. On peut augmenter le réacteur. Ah oui, non mais coup, ouais ça. Hop! C'est parti! Et justement, ce qui va nous rester, ça pourra faire l'objet. Ah, level 4. Donc on va changer de personnage. On va pouvoir aller faire de la cuisine. Kyle, qui doit être level 3, lui, si je dis pas de bêtises. Hop, menu principal, état, personnage. Level 3, level 4. Kyle, level 3, ouais. Et normalement, avec les deux qui restent, on va pouvoir aller faire de la cantine. Ah non, parce que ça coûte 3 pour faire la cuisine. Ah. Bon, bah on va aller faire un peu de... d'agriculture, on dirait. On va planter du blé. La poupoule et peut-être une pomme de terre. C'est la récolte de la prochaine interlude. Eh bien, hop. Plus qu'à attendre. Voilà. Une nouvelle tâche a été assignée. Elle est jeter un œil à la récolte du jardinier lors de la prochaine interlude. Et voilà, on a réussi à plus de PA. Appuyez sur ZL pour commencer la zone. C'est bien ce que je pensais faire. Allez, c'est parti mon kiki. À l'aventure, compagnon. Oh, des objets. Un canon rouillé en S et un canon roulé, rouillé large avec deux ennemis maintenant. Alors, il est jaune. Donc, on va installer notre... non. Attendez. Tac. Notre ami, on va l'installer là. Voilà. C'est pas mal. Je garde. Mitrailleuse. Lance-grenade. Ce qui va ralentir son tour. Lance-grenade. Et voilà, ça c'est fait. Deuxième ennemi. Oh, j'ai bien fait de mettre un bleu parce que je ne pense pas que je puisse modifier maintenant pour marquer tous les trois tours. Oh, jolie critique. Lance-grenade sur le char, ce qui va retarder son attaque. Lance-grenade de nouveau sur le char pour retarder encore. On peut pas plus, mais c'est pas grave. Tire sur le truc là. On est obligé de se prendre des dégâts, hein, c'est obligé. Donc quoi qu'il arrive, il fallait se prendre quelques points de dégâts. Ah, il pense quand même que ma technique n'était pas parfaite. Dommage. Malt, Kyle et Boron ont eu level 4. Il reste plus que la petite poupette qui a encore level 3. Et on continue. Oh, il va y avoir une, un embranchement là-haut. Récupération des points de vie, donc voilà, ça c'est nickel. Encore des ennemis. Oui. Les ennemis veulent du mal. Bleu et bleu. On va changer. On va switch. Voilà. Et c'est parti. Mitrailleuse.
retardé. Mitrailleuse. Retardé. Compétence. Non, lance-grenade. La compétence. 100% à 90. Mais je mets 100 dégâts. Pourquoi pas? Grenade! Ouf! Ça, c'est bon, ça. Mitrailleuse. On va tenter de faire ça avec un peu de chance. Ouais, comme ça, je me suis pas pris de dégâts parce que j'ai pas de soin avant un petit moment. Alors, deux jaunes. Est-ce que je peux modifier mon équipement? Oui, je peux. Tac, c'est bon. On va garder ça comme ça. Mitrailleuse. On va retarder ça. On va retarder ça. On va défendre. Les deux vont jouer avant. Ça a diminué le nombre de dégâts. Les dégâts que je me pense qu'un tir de Cerbère. Là ça faisait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Je me suis quand même pris beaucoup de dégâts. Je pense que là au niveau dégâts pris, je vais tomber. A-A-S. Bref. Ouais. Ça a été sympathique. Oh là là. Je suis jamais parti aussi loin de chez moi. Ouais, moi non plus. Et je n'aurais jamais imaginé que ça se fasse dans ces conditions. Oh, j'en ai un peu peur. On y va. Objet et objet. Et après, on a un embranchement. Ça, je ne sais pas ce que ça va donner. La viande, intéressant. Vous avez obtenu kit de réparation, d'énergie, plein de trucs. Alors, on a une zone avec un... Au fil de votre progression, la route peut bifurquer de cette façon. Choisissez les routes les plus dangereuses pour obtenir de meilleurs objets et de plus d'expérience. Choisissez la route appropriée en fonction de l'état du Tanardis. Ouais, route normale. Hein. On a tout. On est encore 4100 sur 5005, ça va. Ils sont là! Ils sont là! Alors, on va modifier ça parce que c'est un rouge. Mon ami, tu prends la place de ton copain et toi aussi. C'est parti! Canon. Lance-grenade. Canon. Ça fait un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Je l'ai retardé, donc c'est encore plus loin. Ouh, voilà. Un peu de dégâts, mais somme toute, ça passe. Oh, technique C. Oh, c'est rude. Oh. Oh, ils ont été rudes. Tout ça parce que j'ai fait juste attaquer. J'aurais dû utiliser une compétence selon eux. Ouais, mais bon, ils sont bien mignons, mais les compétences... Ça me servait pas à grand chose. Mais bon, tant pis. Alors. Ah, il me lance directement la grenade, d'accord. Bah, vous savez quoi? Je vais juste le retarder. Avec lui. Ah, loupé! Oh bah dis donc. Ah bah quand même. Non mais. Continuons comme ça. J'aime bien la traîner derrière. Dans ce cas, j'ai quand même passé un autre en jaune. Et celui-là. Voilà. C'est mieux. Lance-grenade sur celui-là. Voilà, lui je vais le passer en défense. Aïe. Lance-grenade sur celui-là.
Aïe. Lance-grenade sur lui. Bien loin. Lance-grenade. Lui, je pense qu'il sera... qui sera balayé par le bleu. Non, vaut mieux que je le tue maintenant et avec le bleu je ferai une défense. Parce que là je ne sais pas si c'est le tank ou si c'est la poupette en haut qui va jouer en premier. C'était la poupette. Restore des PV. Intéressant. Je ne savais pas qu'elle avait ça elle. J'ai pas pris beaucoup de dégâts et du coup oui. Donc même les compétences des personnes des unités sont différentes. Tire perçant. C'est bon. Et donc la poupette a la possibilité de soigner le véhicule. Oh intéressant ça. Jaune, jaune, rouge. Ah ouais. Exact. Lui il a tir perçant, perceuse, tir fragmenté. Et lui c'est double frappe, tir perçant ou vif assaut. D'accord. D'accord. Bah écoutez, au moins je le saurai. Pour la prochaine fois, compétence double frappe. Voilà, lui il est retardé. Compétence. Toi. Grenade. Tu seras retardé de combien? Juste après, d'accord. Ah ouais, mais non, là ça va pas le faire ça. Toi, est-ce que je peux te retarder à beaucoup plus loin? Ouais, c'est pas terrible, mais on va garder ça. Ah, il vient de se prendre des dégâts de brûlure, ça c'est intéressant. Là, j'ai l'autre qui va attaquer. Double frappe fait pas beaucoup de dégâts. J'ai passé en mode défense pour pas prendre trop de dégâts. Voilà. Compétence verseuse, je vais soigner le bâtiment. Elle le soigne quand même de pas quand même des quantités assez conséquentes. Hein. Hop. Tout retardé. Et en fait il est capote. C'est génial. Grenade anti-mode, ça va faire un poil mal, mais ça va le faire. Voilà. Lui il est encore brûlé, donc ça me va. J'ai une attaque du haut. Oh. Attaque tous les ennemis, chance de réduire le niveau de blindage. Mais c'est génial. Compétence double canon. Je te tiens. Et il est retardé assez pour que mon lance-grenade le finisse. Yes. Un stratège sans faille. Ouais, par contre, je suis pas sûr qu'il va être du même avis. Puis... Rambé. Aïe. Aïe, j'avoue que je me suis pris pas mal de dégâts. Mais vu le niveau que j'ai au niveau de mes unités, je trouve que j'ai quand même mis pas mal de dégâts sur l'adversaire, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du combat, mais pour moi, a priori, ça passe bien quand même. J'aurais pas pu faire forcément beaucoup mieux que ça. C'est la guerre. On va se soigner. Oh, presque à fond en plus. Deux unités dans la tête qui nous arrivent. Soldat, en avant. Bleu et rouge. Donc toi tu vas hop et hop.
Alors, bleu, mitraillette. Toi, tu bouges pas. Merci. Attaque tous les ennemis, chance de brûlure, choqué et tout ça. Tu avais perdu. Stoumpf. Oh la vache. Je vais éviter de l'utiliser parce que j'ai bientôt sûrement un boss. Et que ça, ça va déjà faire pas mal de dégâts. Tir perçant. C'est un PC. Mais je vais passer en mode défense, je pense. Ah, je pense que je pourrais mettre assez de dégâts pour que la brûlure le tue, mais de toute façon je me prendrai des dégâts, donc au mieux que je passe en défense. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça passe. Et là on a un check. On va donc modifier. Tac. Attendez. Tac. Voilà. Alors, lance-grenade. Est-ce que j'ai attaque du haut? Non, j'ai plus attaque du haut compétence. J'ai pas besoin de me récupérer des points de vie, donc lance-grenade. Sur le machin, sur le petit char, ça va leur tarder à deux cases, je dirais, ouais. On attaque du haut. Ça fait quoi? Attaque tous les ennemis, augmente l'attaque. Ça pourrait être pas mal quand même. Ouais, je vais le faire. Ça va retarder la tour. Potentiellement, voilà, ça. Oh, ça en a tué deux. Toi, t'as retardé. Lance-grenade. Est-ce que j'ai possibilité de le tuer? Non, je vais passer en mode défense. Pour éviter de me prendre trop de dégâts. Voilà, pas mal. Et maintenant, on va bourriner. Hop, et ça passe. Bon, je pense que là, si je suis pas en S, je sais pas ce qu'il faut. Ah, tour A quand même. Ils sont vaches. Je sais pas comment on peut faire en moins de tours que ce que j'ai fait. Je pensais quand même être sacrément... comment je vais dire ça? Rentable, concis et stratégique. S'ils arrivent à faire moins de tours que ça, je sais pas comment ils font. Soit ils prévoient les critiques, ce qui se peut. Soit il y a potentiellement un new game plus qui se cache dans le jeu et qui fait qu'on peut potentiellement avoir plus de level arrivé à cet endroit là. Je vois que ça. Ah, j'aurais jamais cru que l'armée Bernam viendrait aussi loin. Ils sont peut-être aux quatre coins de Gasco désormais. Et pourquoi ils font ça? Vous pouvez procéder à la récolte du jardinier. Allez à la ferme pour vous en occuper. Au début de l'interlude, un message vous écrira la possibilité de procéder aux récoltes. D'accord. Le jardinier est prêt pour être récolté. Attendez, on va vérifier l'état des personnages. Ça va être par rapport à leur stat. Ouais, donc ça va être May qui va d'abord faire quelques petites actions. On va faire d'abord tout de suite les... oh, tiens. Une batterie usée qui traînait là. On va faire tout de suite les actions de soutien. Comme ça, ce sera fait. Bah, allez, où est la pépette? Je suis fou, j'ai pas vu la fille. Bah. T'es où, Anne? Yo. Voilà. Hop, Kyle. Vous allez voir. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Euh.
Zut, je la vois pas. Est-ce qu'il y aurait possibilité que... À moins qu'elle soit derrière le... Non. Il y a des possibilités qu'on ne puisse pas trouver toutes les personnes dans la zone? Bah, l'autre chose. Loron. Alors, je suis à la recherche de mon ami à lunettes. Que je ne vois pas non plus. C'est quoi ce délire? Ils ont été à tous les coups programmés sur un endroit que je n'ai pas encore débloqué. Puisque a priori, comme ça avait été marqué, le bâtiment va être... va pouvoir s'agrandir avec le temps. Donc 10 contre 1 qu'ils ont été... Hop. Qu'ils ont été mis à des endroits... que je ne peux pas encore accéder. Bon bah Malte va voir la fille. Qui est en bas. À moins que je puisse monter. Oh, c'est une très bonne question ça. De quoi? Hop, oui, encore une affinité. Tac. Poupette. C'est moi qui fais. C'est toi qui fais, si tu veux. Est-ce qu'on peut monter? Non, on peut que descendre pour le moment. Oh, je suis bête. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. On va tout de suite récolter maintenant. Parce que je ne sais pas s'il faut des points d'action pour récolter. Youpi! Non, il n'y a pas besoin de points d'action pour récolter. Ça, c'est bien, ça. On va aller... tout de suite cuisiner, parce que... Tu sais... tu sais, je dis toujours que je suis le plus grand, mais ça veut dire qu'au quoi au fond? Personne responsable, big boss, quelqu'un qui sur qui tout le monde peut compter. Quelqu'un sur qui tout le monde peut compter. Ouais. Oh. Oh la vache. Effectivement. Hop. On va faire de la cuisine. Bonus de repas, expérience acquis au combat augmenté, affinité acquis au combat augmenté. Oh, ça c'est pas mal ça. Bon appétit. Bon appétit. Voilà. Voilà. Hop. On va aller faire de l'atelier aussi. Bah alors, ah oui, tac. Qu'est-ce que je peux augmenter? Le blindage ou le réacteur? Je vais augmenter le blindage. Le réacteur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'essaye d'utiliser un maximum les compétences maintenant. La mission vous a rapporté de l'expérience. Voilà, maintenant elle est presque plus levelée que les autres. Donc je vais pouvoir changer de personnage. Attendez, on va aller vérifier quel personnage. Alors 5 presque à la fin, il y a Kyle qui est vraiment très bas. Donc ça sera Kyle. Doum, 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 doum. Vous allez voir. Ça tombe bien, c'est lui qui était là. X, on va faire une amélioration de blindage maintenant. Hop. Allez. Aïe, aïe, aïe. Touk. Voilà. C'est lui qui va aller à la pêche aussi. Oui, parce qu'il faut aller pêcher dans la vie. On peut toujours pas changer tout ça. Non. Allez. Ça a été un désastre. D'accord, c'est pas un problème. On recommence. Je suis avec toi. Durant l'interlude, un camarade peut venir vous assister pendant vos tâches. Quand un ami vous assiste, le taux des réussites de cette tâche augmente. Plus l'affinité est élevée, plus les chances qu'un camarade vous aide le sont. Augmenter l'affinité grâce aux discussions et diverses activités. Taux de réussite augmenté de 5%. Super. Yeah. Un sacré succès. D'accord. Yes, level 6. On va arrêter de faire ça avec lui. On va prendre Malte. Ah ouais.
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire une pêche. Mais avec lui. Je m'en occupe. Allez, 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 allez. Oui, succès. C'est bien ça. Et maintenant, qui c'est qui a le moins de level? J'ai pas vérifié. Ça va être notre ami. Hop. Un beau long. C'est pas dit. Parce que c'est un goron. Non, c'est parce qu'il est beau et qu'il est rond. Oh. On va aller faire tout de suite de la ferme. On va replanter du blé. Du blé. Des œufs et des patates. Oui. Il y en aura ça pour la prochaine fois. Nouvelle tâche a été assignée pour la prochaine fois. C'est merveilleux. Hop, on va pouvoir repartir au combat. Oui. Hop. Okay, on y va. On va se faire soigner à fond. Oui, presque à fond, enfin tout à fond même. C'est pas presque, c'est totalement à fond. Et ça va ? C'est le char qui a détruit, lui seul le connaît, Panzer et ses hommes. J'en reviens pas. Regarde la taille de cette chose. C'est ce qu'elle me dit. Bref, on peut pas le laisser passer. On doit les arrêter. L'heure n'était pas aux lamentations. Indifférent à leur chagrin, l'ennemi allait passer à l'assaut. Oh mon dieu! Que passe maintenant? Vous avez bien raison de vous battre. Une raison pour laquelle vous devez vous battre. Ouais! On n'a pas le choix. Il faut se battre. Il faut se battre, ou nos familles mourront. Les enfants prirent leur courage à deux pattes et relevèrent la tête. À deux pattes, c'est pas c'est logique. On n'a pas le droit de perdre. Pas tant qu'on n'aura pas retrouvé la famille. Ouais, barrez-vous! Oh! Sympathique leur char. Donc on a dit jaune, jaune, rouge. C'est ça, hein? Je crois, hein? J'ai un doute. Je crois que c'était jaune, jaune, rouge. On va valider comme ça, puis on verra bien. Oui, c'est ça. Je vais passer en mode défense. Parce que je sais pas ce qu'il va me faire. Grand estoc. Ah, ça aurait fait mal si j'avais pas défendu. Vous avez perdu. Si je peux le brûler, ça peut être pas mal. Non, je l'ai pas brûlé. Ah, il tire comme ça, lui, en retour. D'accord. Bon, bah... Écoute, hein, si tu tapes... Vas-y. Double frappe. Ouais, j'ai tout de suite... Je vais tout de suite me soigner, ça peut être pas mal. Parce que je vois qu'on a le Vintello en haut qui va pouvoir rejouer. Donc faire un retardé sur l'adversaire directement comme ça. On a quasiment pas mis de dégâts. Ah, je sais pas ce que ça va faire, mais... Grenade! Si on peut lui baisser son... Oui, on lui baisse sa précision. Entre le fait qu'il ait baissé la précision et le stock à peur. Hop, compétence, champ apaisant. Ça va aller.
compétences. On va juste tirer. Ce qui va faire un retard des supplémentaires. Je vais passer en mode défense. 7 attaques. J'ai bien fait. Ah, il est compliqué. Il est pas facile ce boss. Surtout qu'il a pas mal de points de blindage et je ne peux pas lui baisser. Ça, je vais le garder. Je vais tirer au canon, simplement. Je vais tenter de le mettre en fumigène encore. Raté. Oh. Ouh, j'ai 50%, j'ai 50% de chance de le toucher. 65. Ouais. Yes. Bon, je l'ai pas mis en fumigène. Mais... moi, je l'ai. Bon, en fait, je l'ai pas retardé en fait. Hein. On va être d'accord sur ça. Incendié. Vous avez perdu. On peut essayer, hein. Si on arrive à l'incendier, ce serait pas mal. Bon, bah, déjà, il faudrait que je le touche. Et je vais continuer seulement avec le canon. Et évidemment. Ça fait mal, mais c'est calculé. Manœuvre défensive. Lève le canon. Cadeau. On va passer aussi en mode défense. Manœuvre défensive. Sa précision divisée. Ah. Eh oui, effectivement, il est difficile. Attention. Allez, défense. Compétence, champ apaisant. Compétence. Je vais retenter une grenade incendiaire. Oui, je l'ai brûlé un peu. J'ai un peu de défense activée. Ça devrait le faire. En 3 tours. Compétence, tir vaillant. Voilà pourquoi volontairement je ne soigne pas j'avais pas soigné. Et là j'ai plus du tout de truc en fait. J'avais pas vu que j'avais plus du tout de points de compétence. Attention. Colère. Je ne sais pas ce que c'est colère, mais je sens que je vais pas apprécier. Aïe 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 aïe. Non, il n'y a pas besoin d'utiliser le canon, vous inquiétez pas. Il y a juste besoin. Ouais, bon, en gros. Il y a juste besoin d'avoir des objets. Grenade fumigène, si j'y arrive pas bien. Évidemment, j'ai rien fait. Mais compétences, tir vaillant. Je peux pas abandonner. T'as bien raison de pas abandonner. Je vais les yes. Réduire le blindage, ça serait sympa. Droit et stock, il mettra pas 2004, hein, on va dire. Ouais, 1003 quand même. On retarde l'ennemi, ça me va. Te donner.
Il est retardé à beaucoup, c'est bien compétence. Tir vaillant, là ça devrait faire énormément de dégâts. Maintenant je vais pouvoir faire objet grand kit de réparation. Hop. Objet. Non. On va passer en mode défense avec lui. Et on va tirer avec lui. Donc. On va tirer dessus. Il mettra pas 3000. Il se met en mode mortier. Il me fera pas de dégâts donc ce tour-ci. Et je vais pouvoir tirer avec lui. Hop, pour retarder son attaque. Qui va me permettre de faire une petite défense. Mal tapeur, c'est pas grave. Lance grenade. Attaque du haut. Oh non, ça peut louper. Ah, ça j'avais pas prévu. On va défendre. Parce que là il va me faire un gros dégâts. Bon bah la solution simple ça va être de faire une petite cellule d'énergie. Voilà. Deux compétences. Non, je vais défendre. Je vais défendre. Je vais faire une un tir vaillant ici. Et voilà. Pas besoin du canon, voyons. Bon, par contre, là, je pense qu'ils vont me mettre un truc. Oh. Alors là, j'aurais pas cru que dégâts reçus B, il me l'aurait mis, tu vois. Bah dis donc. Niveau 6, niveau 6. Protection, un allié résiste temporairement aux blessures. Oh, bien. L'affinité augmentée et les bonus de soutien ont été améliorés. Malte et May. Anna et Kyle. Boron et Sok. Bien. Du coup, il va y avoir le... Ah non. Est-ce qu'on a gagné? Oh, ouf. Content que ce soit fini. Il se retire, la victoire est à nous, assurément. C'est ce qu'ils disent dans les livres. C'est vrai, on n'a pas le choix, il faut se battre. Nous devons nous battre pour les autres. Allez les gars, on peut y arriver. Oh, ouais, mais bon, la guerre, ça fait peur pas quand même. Oui, mais avec la puissance du char, je pense que nous pourrions effectivement, après un rapide petit calcul, sauver tout le monde. Papy, mamie, tenez bon. Oh. Poursuivre leur périple à bord du Taranis était le seul moyen pour eux de sauver leur famille. Les enfants emplirent de nouveau leur cœur de détermination. Et ils avaient bien raison. Car c'est moi qui suis aux commandes. Oh! Chapitre 2 terminé. Tchut-tchut. Une nouvelle entrée a été ajoutée dans le rapport de Burnham. Menu principal, la galerie. Illustration. On va y voir la jolie illustration qu'on a récupérée. Allez, de l'avant. Rapport de Burnham. Pour ceux qui aiment le lore. Je lirai peut-être tout à la fin. Illustration de fin de chapitre. Séquence duo. On n'a pas une nouvelle séquence duo. Ah, il va falloir que je vois avec
quand je serai dans le bâtiment. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors, les épisodes vont être un peu longs. Je vais tenter, j'ai bien dit tenter, de faire un chapitre par épisode. Plus ou moins, j'essaierai de faire des épisodes de moins de 1 heure. Ça, c'est... Dans mon idée, c'est ce qui se passe maintenant. Faut espérer que... Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye.